Bon, mais rebonjour à tous, c'est encore Ping-Pong-119 pour la deuxième fois dans la journée. Et en fait, on est reparti suite aux nouvelles récompenses, la DDS et compagnie, la première place encore une fois, comme souvent. Et bien, on a cette DS pour faire une invocation là, plus la gratuite, plus encore une. Donc, ça fera trois invocations. Donc, je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo là-dessus, parce que j'avais fait, comme j'avais dit dans l'autre vidéo de la journée, une invocation en off, où j'avais juste eu un massue d'intelligence, leur var ici, mais cette fois-ci en live, en vidéo, quoi. Sur le gauche de table, parce que là, du coup, il me faut 3 pour avoir la gratuite, alors que là, juste une. Allez, let's go, on prie. On prie vraiment. Déjà, ça commence bien. Super Saiyan. J'aimerais tellement l'avoir ce LR. Tellement. Encore un Freeza, super. 8. 9, putain, genre 15 seul SSR. Et c'est pas ce qu'on voulait. Très clairement. Parce que j'ai beaucoup de tickets. 3. Alors, sachant qu'ils nous ont offert aussi des tickets d'invocation, des tickets de 3 ans. Donc, je ferai aussi ça derrière, lui, autant que faire. Pour l'instant, pas gratuite. Waouh. Arc-en-ciel Super Saiyan. Un God Saiyaman qui pourra. Non, il me sert plus à rien. Du coup. Donc, il y avait l'event avec l'autre God Saiyaman pour augmenter l'aspect de. Du God Saiyaman magie de chez Baba. Il sert plus à rien, le nail, le tour de dépôt, le Mister Satan, le je sais plus quoi, le Ryu Shenron, ok si tu veux. Il servait à une époque hein, pour bloquer l'aspect, mais aujourd'hui. Le Salagi, le retour de dépôt. Oui, c'est terrible. Ah, je sens 0 LR encore. Enfin, sauf le. Celui du. Garantie. Quelle horreur! Toutes les DS que j'aurais mis pour ce putain de porte de cette putain de célébration de merde au final. Quand tu vois qu'il y en a qui ont eu le LR dès la première multi, voire qui ont eu les deux LR en quelques multi, ça fout les boules! Qu'est-ce que ça fout les boules, putain! 2 ans que je suis sur le jeu, enfin 2 ans que je suis sur le jeu et toujours aucun LR payant. Certes, un free to play, mais bon, ouais. Putain. Du coup, je retourne sur ce portail ou je fais celui du jeton. Bon, honnêtement, je préfère celui-là. Sur la gauche, même pas de Shenron. Okay. Arc-en-ciel, tout en sort, il se transforme. Super guerrier. Super guerrier 1, super guerrier 2. Pas de CJ3. Ok. 2. Docteur Guerre. Ça me dit rien cette image. Peut-être une nouvelle. Tenchin Han. C'est 19. Zangia. Il me sert toujours le Bardock Super Saiyan AJ pour le CJ3 AJ. Voir un jour quand j'aurai
Badak et ses J3 intelligence. Mais on n'en est pas là. Est-ce que c'était le nécessaire garanti? Et oui. Ben, quoi que j'aurais dû rester sur l'autre, parce que comme ça j'aurais pu faire le petit ticket. Du coup, les tickets. Attends. Ah bah non, je suis resté sur le projet tâche. Donc j'ai que des tickets du festival d'Oken. Ah! Donc, on va tenter quand même ça. Bon, j'ai que ces tickets. Du coup, on va d'abord tenter cela. Le ticket de 3 ans, même si là le taux de drop est un peu plus dégueulasse. 2, 3. J2. Et on n'a pas de nécessaire. Oh, il y a beaucoup de capsules là. Mais bon, oui, ça ne fait plus rien. Je vais choper des bons trucs quoi. Ouais, il me servira. Mais... Oh ouais, les badacs agis là, ils tombent. Pas de SSR encore une fois. Les 3, 4. Te transforme pas, il se transforme malheureusement. CJ2, pas de CJ3, pas de SSR garantie comme disait Crane. Encore un Badakaji. Putain, lui aussi tombe souvent. Oh, il y a beaucoup Super Saiyan 2 GT1 avec sa queue de singe. 2, 3, 4. Super Saiyan 2. Tao Pai Pai. Encore en bas de Kaji. Encore en bas. Putain. Et bah rien, ouais, super. Ah, cette ticket est 3 ans, c'est le sel. Super Saiyan. Super Saiyan 2. Super Saiyan 3. Ok, ça c'est bon par contre. Qu'est-ce que c'est que ce Majin Buu? Il fait même pas des dégâts colossaux. Ah, ça va, c'est ça. Récup PV plus 25% c'est PV en dessous de 30%. Ah ouais. Ah, dans la team ressuscité, il peut faire plus de. Bon, après énorme dégâts, voilà. Niveau défense, ça permet de. Dernière multi sur portail. 2. Un Super Saiyan de Goku totalement dégueulasse. Minoshia. Nail, ok. Bou Kaioshin du Sud. Ok. Enfin, les singles, du coup, au final. Arc-en-ciel Super Saiyan. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Thank you.
Pas de Super Saiyan 3, pas de Saiyan gratuit. Un bon Akagi, j'en avais pas eu assez. Ah mais oui, mais je suis con. C'est des singles. Satan sera, Mister Satan sera à droite. Super Saiyan. Super Saiyan 2. Pas de Super Saiyan 3, pas de Saiyan 48. Encore un bal Akagi. Qui m'adore. Eh bien, merci lui, hein, sur ce portail. Mister Satan sur la droite. Super Saiyan. Super Saiyan 2. Ah, on revit les mêmes moments. Et un Goku Super Saiyan dégueulasse. Bon, on va faire ça. Hein. J'ai pas assez pour faire un ulti, pas pour faire du single. Ou un Shenron sur une single, ça fait toujours plaisir. Ce qui ferait vraiment plaisir, c'est dans la LR. D'accord. Oh bye bye les gars, ok, ça c'est cool aussi. Une capsule. Ouf, ça sent le R tout pourri. Voilà. Sont augmentés tout seul, c'est pas quoi. Une, deux capsules. Oh, il se transforme pas, ça sent encore le R. Bien sûr. Zéro capsule, il se transforme pas. C'est le R à tous les coups. Voilà. Bouta. Barta en français, je crois pas. Mais on dit. Deux, trois, quatre, cinq capsules. Super Saiyan. Ah, Super Saiyan, un seulement. Ce sera un Mister Satan. Et la dernière single du désespoir des tickets de la fin. 2, 3, 4. On tire aux intelligences, qui est bien qu'on l'a pas pour le pendant. C'est une catchy vidéo Kai, mais j'ai déjà. Voilà. Que dire? Moi, je préfère des singles, mais là non. Sait-on jamais. Je pourrais peut-être d'ici 9 jours avoir 80 DS en plus. Ça m'étonnerait parce que j'ai plus rien à farmer, mais sait-on jamais. Voilà. Dégoûté de chier, dégoûté. Voir ce que j'ai eu. Dot. Enfin, il se sert du coup. Le Gotenks dab, comme on disait déjà. Attaque plus 10% à chaque sphère de cube tenu. Je crois que je l'avais déjà eu en plus. Longtemps. Ça c'est bien ce qu'ils nous ont filé, ça serait utile. Ce Goku là, ce Vegeta là, ce Majin Buu là, ce Gohan là, il n'y a pas de bien sûr. Attaque plus 60-70% CPU au-dessus de 30%. Ouais. Après qu'il vit, lui on en veut plus. Hein.
question. Ah ouais, d'accord. Ouais, y a un truc qui est bizarre par rapport à moi. Attends. Faut juste un niveau. Type. Enfin, dans le sens, ouais, voilà. Je me retrouve avec ceux que je voulais au début. Et donc, favori. Oh, attends, je l'avais pas déjà le. Moi, ce que je confonds avec mon compte sur Tinder, mais. C'est possible. Je l'avais peut-être pas. Ou alors, je confonds avec le. Agis Super Saiyan, Gotenks. Ouais, donc le Gotenks ici. Alors, je dois confronter avec mon compte secondaire, je pense. Faire le ménage dans la boîte. La boîte. Voilà, donc toujours 0 et l'air payant. Que dire. Enfin, les Badakaji qui ont plus qu'un. J'en ai combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Badakaji quoi. Celui -là. Celui là forcément qui est toujours P1 parce que en fait quand je l'avais éveillé j'avais pas j'en avais qu'un enfin, c'est marrant maintenant j'en ai plein et en fait vu que j'ai mis des sphères pendant un gros débit dessus même si j'en ai quand même beaucoup j'ai mis quand même 21% du taux quoi je préfère éveiller tous les autres ensuite déjà ouvrir ses branches et ensuite augmenter sa spé. Ça prendra du temps mais ça coûtera plus de la CT donc je m'en fous. Parce que les sphères c'est tellement rare à voir et précieux. Ouais j'en ai pas d'autres ici. Si je fais ça potentiel. Et où attaquer si j'ai 3J. Pas ce qu'on a. Là. J'ai ouvert deux de ses branches déjà. Ouais, donc celle-là, ça veut dire que je peux ouvrir toutes ses branches et monter SP10. Parce que j'en ai 11. Genre, tu sais, ça m'en restera 9. Et 1 plus 9, 10. Pour la SP. Bon, je pourrais le mettre sans perdre ça. Bon, mais voilà sur ce, les gens. C'est Technique 999 pour des nouvelles interpellations. Ciao, bye bye et à la prochaine.